Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons traiter ensemble un sujet qui va faire plaisir aux amateurs de whisky puisque nous allons tenter de comprendre ensemble comment un investisseur ou un épargnant peut euh, investir une partie de son patrimoine dans le whisky. Justement, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre-Luc Noury. Bonjour Pierre-Luc Noury. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable du département vin et spiritueux. Au sein de la maison Agut. Alors, effectivement, les investisseurs, même peut-être les, les moins chevronnés, savent qu'il est possible d'investir dans le vin, d'investir dans des bouteilles de vin. C'est moins connu pour des spiritueux comme le whisky. Pour autant, on peut décider d'acheter, de faire l'acquisition de, de bouteilles de whisky, d'ailleurs, peut-être pas de bouteilles, de fûts, vous allez nous le dire, euh, dans un objectif de valorisation et peut-être même d'investissement. Exactement. Alors, de la même façon qu'on peut investir dans le vin, vous le disiez, le whisky et les spiritueux en général sont euh, reconnus pour être euh, un placement euh, euh, certain. Donc, euh, il y a eu une valorisation qui a été euh, importante ces 20 dernières années sur ce marché. D'accord. Et euh, de la même manière, un, un particulier, comme un professionnel, peut euh, acquérir euh, des whiskies dans un volume plus ou moins important, soit une bouteille, soit un fût. D'accord. Celui ouais. qu'on va vendre le, le 23 octobre prochain, qui est un, vraiment un volume très important cette fois. Mais euh, il y a quelques critères auxquels il faut euh, prêter attention dans, dans les deux cas particulier ou professionnel donc auront à cœur de vérifier l'authenticité ça c'est quelque chose de, 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 de particulièrement important donc ça suppose de s'intéresser euh, à, à la composition ouais. euh, à l'interlocuteur qui est en face de vous pour s'assurer que c'est un professionnel et que toutes les garanties en termes d'authenticité sont bien euh, sont bien prises euh, à la composition à la composition effectivement donc euh, au contenu véritablement de ce que l'on va acheter d'accord ouais. euh, et enfin euh, avec l'état de conservation euh, la question du, du prix parce que euh, c'est souvent relié donc euh, en termes de rareté et en termes de, de de qualité de conservation. Il faut faire attention à ça. Alors, déjà, l'authenticité, ça veut dire qu'on peut quoi On peut avoir des, des malfaçons en termes de, de whisky ou euh... Pas vraiment des malfaçons, on pourrait parler plutôt de, de faux. D'accord, ouais, ouais, de contrefaçon. Les... Ouais. Exactement. De contrefaçon, carrément. Donc, euh, effectivement, quand vous portez acquéreur d'un objet, a fortiori ancien, il faut être très attentif donc, au canal par lequel vous allez, vous allez investir. Donc, donc, il faut effectivement suivre la provenance du whisky que l'on va acheter. Et ça, c'est une provenance qu'on va suivre quoi, sur les fûts de whisky quand ils sont effectivement. Euh, conserver ou même après derrière sur les bouteilles de whisky qu'on va acheter sur les fûts euh, effectivement mais aussi sur les bouteilles puisque la majorité du marché va se, va se passer pour les particuliers sur des produits qui sont de, de, de volume contenu donc des bouteilles d'accord euh, donc effectivement être attentif à la provenance euh, la personne qui vous le vend euh, les conditions de conservation et les éléments d'authenticité euh, véritablement techniques euh, qu'on peut euh, qu'on peut avoir à, à, à vérifier alors justement si je, si je continue le parallèle avec le vin, puisque c'est peut-être ce qui parle au, euh, donc, euh, au plus de monde, il euh, y a un sujet conservation généralement euh, dans le vin euh, qui fait que les bouteilles changent parfois de propriétaire, mais rarement d'endroit. Est-ce que c'est la même chose pour le whisky Est-ce que le whisky est plus résistant peut-être en matière de conservation Exactement, les, les, les spiritueux d'une façon générale et le whisky euh, en particulier, est, euh, de part son, son plus fort degré d'alcool, mm -hmm. et plus résistant naturellement. D'accord. Donc il faut quand même, euh, malgré cela, faire attention à quelques critères, notamment garder les bouteilles debout. Ça, c'est une certitude pour tous les spiritueux, afin d'éviter que l'alcool, justement, puisse euh, attaquer le bouchon et puis qu'ensuite on ait des problèmes de conservation. Euh, vous avez ensuite, euh, comme dans une cave de, de vin, euh, plusieurs éléments à, à surveiller, le fait que ce soit un endroit frais, sombre, calme et avec une, une humidité, euh, on va dire, modérée pour éviter que les... Donc là les là étiquettes... aussi, on regarde l'hygrométrie. Voilà, l'hygrométrie est importante pour éviter que l'étiquette soit endommagée et donc que le capital soit entamé. Ça se conserve combien de temps une bouteille de whisky j'ai envie de vous dire que c'est quasiment sans limite de temps. D'accord, À okay. partir du moment où ces critères sont respectés. Là où le vin. Donc euh, sans limite de temps veut dire peut-être valorisation qui peut croître pendant un nombre d'années assez impressionnant. Tout ouais. à fait. C'est aussi pour ça que des whiskies qui aujourd'hui ont 40, 50, 60 ans atteignent des niveaux de prix qui sont très très importants. Parce que la rareté a fait son, son œuvre. Ce sont des whiskies qui ne valaient pas les prix d'aujourd'hui. D'accord. Donc qui ont été consommés au fil du temps. Et aujourd'hui, les quelques rares bouteilles qui subsistent ne seront le... jamais bus pour le coup euh, on n'est jamais sûr de rien, jamais dire jamais, parce que certaines personnes n'hésitent pas à ouvrir des bouteilles très chères. Mais en tout cas, voilà, ça constitue véritablement un capital très important aujourd'hui. Alors, euh, racontez-nous, vous allez prochainement mettre aux enchères au sein de la Maison Ingut un fût, un, un fût un dont euh, la valeur euh, totale est estimée entre 300 et 400 000 euros. Mais alors, ce fût ne va pas être vendu en tant que fût. Derrière, les acquéreurs vont acheter des bouteilles de whisky provenant du fût en question. Exactement. On, on va proposer à la vente le 23 octobre prochain un de la distillerie Glen Dronach en Écosse. Euh, C'est un whisky qui, est, qui a 30 ans d'âge, distillé en 1992 et mis en bouteille en 2023. D'accord. Alors, il est un petit peu exceptionnel euh, parce que c'est euh, effectivement le contenu complet du fût, ce qu'on appelle un single casque qui mm -hmm. va être proposé à la vente. Donc c'est l'opportunité, plutôt ici pour un professionnel, on ne va, va pas se le cacher, euh, d'acquérir euh, quelque chose d'assez exclusif. Donc c'est un, une des tendances du marché actuel sur le whisky, euh, qui, se, qui se tourne véritablement vers un segment premium de whisky euh, exclusif, vieilli très longtemps et euh, comment dire, sélectionné avec le plus grand soin. Pour incarner au mieux la distillerie dont ils sont issus. Donc, celui-ci, euh, il représente la, la distillerie Glendronac, il provient de la distillerie Glendronac, qui est euh, particulièrement reconnue euh, dans le monde entier pour son savoir-faire en termes de vieillissement en fût de Jerez, donc de, 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 de vin espagnol fortifié qui vont apporter au fur et à mesure du vieillissement du whisky une saveur particulière, une richesse euh, incomparable. Mais alors quand on est une maison de, de vente aux enchères, qu'on vend le contenu d'un fût, alors qu'on fait effectivement totalement confiance en matière de conservation euh, au professionnel oui. qui, euh, qui le met en vente, comment est-ce qu'on est sûr que, passé 30 ans, on vend quand même un whisky de qualité aux gens qui vont acheter des bouteilles Parce que euh, différemment, euh, différemment euh, du vin, le whisky euh, s'arrête de vieillir une fois qu'il est mis en bouteille. D'accord. C'est-à-dire que vous avez une période de vieillissement qui va être de 30 ans. Euh, à partir du moment où le whisky est encapsulé dans cette bouteille, il ne vieillit plus. Donc, euh, on retrouve un petit peu ce... ce, ce ce phénomène de capsule temporelle qui est si cher aux, aux amateurs de whisky, euh, vous retrouvez dans une bouteille de 1992 un savoir-faire, un processus et euh, une, une méthode de, de production qui remonte à 1992. Là où, lorsque, lorsque vous achetez un vin, euh, en fonction euh, des conditions de conservation, effectivement, vous êtes face à quelque chose de plus risqué, parce que le vin, lui, continue de vieillir dans la bouteille, et là, vous vous exposez à des... À un vieillissement qui est un peu aléatoire un peu plus aléatoire qu'un whisky rapidement Pierre Luc nourri si on veut investir dans des whiskies de qualité dont on est sûr qu'ils vont prendre de la valeur c'est forcément en écosse qu'il faut investir. Alors, vous avez l'Écosse qui est une valeur sûre. Vous avez évidemment le Japon qui, depuis une vingtaine oui. d'années, trust véritablement les ventes aux enchères et le marché des, des spiritueux premium, des single malt. Euh, donc, j'aurais tendance à conseiller effectivement de, de, de vous orienter quand vous voulez investir sur ces deux pays de production euh, et également être attentif au fait que vous achetez des whiskies millésimés qui sont toujours un peu plus valorisés. Et pourquoi pas, euh, un des fers de lance des, des distilleries et des marques en ce moment, euh, c'est la notion d'édition limitée. Donc peut-être vous portez acquéreur de, de ces éditions pour constituer une sorte de, de collection dans la collection avec une plus-value lorsqu'elle est complète. Merci beaucoup Pierre-Luc Noury de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable pardon, du département vin et spiritueux au sein de la maison Agut. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et on rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.